connaît la participation de 300 micro-entreprises, se fixe pour objectif de faire connaître les différents dispositifs de l'emploi, notamment l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ONSEJ et CNAC. Le salon vise aussi à vulgariser davantage les dispositifs de création d'entreprises, mettre en relation les acteurs et partenaires des agences de création d'emplois et encourager la création de micro-entreprises. Grâce à la précédente édition, j'ai pu créer ma propre entreprise tout en bénéficiant d'un crédit ONSEJ. Évidemment, ce rendez-vous est sans doute une plateforme de communication entre les pourvoyeurs d'emploi et les jeunes en quête de travail. Ce salon se donne pour objectif de permettre aux porteurs de projets de découvrir les différentes formules de placement par l'Agence nationale de l'emploi et les types de micro-entreprises susceptibles d'être créées dans le cadre des dispositifs publics et la Caisse nationale d'assurance. Le salon vise également à mettre en exergue les différentes mini-entreprises créées par les jeunes qui ont bénéficié d'un crédit ONSEJ ou CNAC. Le salon nous permet aussi d'évaluer les différents programmes de création d'emplois. Cette rencontre enregistre également la participation de 13 ministères et 9 organismes placés sous la tutelle du département.